Le Mexique veut investir en Côte d'Ivoire dans divers secteurs d'activité et pour favoriser ces investissements, des opérateurs économiques mexicains rencontrent les autorités ivoiriennes, dont le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI, et le Village des technologies de l'information et de la biotechnologie, le VITIB. Il s'agit ici d'examiner les opportunités d'affaires dans le pays et renforcer les relations économiques bilatérales, stables depuis 1975. Les secteurs qui nous intéressent le plus, bien sûr, sont la minerie, l'agriculture, la santé, l'infrastructure et des autres qui peuvent générer de l'emploi et qui peuvent être un chemin d'y venir entre le Mexique et la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien, pour mieux rentabiliser son économie, recherche ainsi des investissements privés, dont 60% interviennent dans le Plan national de développement 2012-2015. Le Mexique fait partie des grands pays émergents. Le Mexique est un pays qui a un modèle de développement sur lequel nous pouvons calquer, à savoir le développement des PME. L'objectif que nous avons, c'est de pouvoir entraîner le Mexique dans ce modèle de croissance dans lequel nous sommes engagés au niveau de la Côte d'Ivoire. La mission de prospection mexicaine achève son séjour en Côte d'Ivoire le 28 novembre prochain et sur invitation des autorités ivoiriennes, elle compte participer au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire, ICI 2014, du 29 janvier au 1er février prochain.